Et nous continuons avec le deuxième épisode de cette nouvelle fournée de la série Track Day dédiée au groupe 5, la nouvelle extension de Race Room Racing Experience, avec la Fabcar 935. Alors la Fabcar, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une Porsche déguisée, puisque la licence appartient toujours à Electronic Arts, donc Sector 3 est obligé de nous concevoir une voiture un peu factice. Concernant la voiture, c'est une voiture qui pèse 970 kg. Et en fait, c'est basé sur le modèle de la Porsche 911 de route, hein, qui est tout à fait reconnaissable comparé à certaines autres qui sont très moches et qui ne ressemblent plus trop aux voitures de route. C'est une boîte 4 vitesses, comme beaucoup des voitures de cette extension en fait. C'est beaucoup de voitures à 4 rapports de boîte. Le moteur est donc évidemment un flat 6, même si je suis plutôt déçu. Je vais vous laisser bien sûr écouter après le son du moteur. Je suis assez déçu du son de la voiture, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Concernant la voiture en elle-même, on va faire un léger point historique. Moi, ce que j'ai surtout retenu de cette voiture, c'est l'année 79 en compétition, puisqu'elle a été introduite, je crois, en 76, voilà. Ce qui a mis fin à la domination des Chevrolet Monza, que je vous ai expliqué lors de l'épisode 9, l'épisode précédent. Et en fait, vous allez avoir, pendant la saison 79, toutes les grandes courses remportées par une Porsche. Usine, je précise bien, étant donné que la différence de préparation entre les Porsche usine et les Porsche clients était tellement forte qu'elles étaient imbattables. Donc elles ont remporté, en gros, en passant le championnat Transam, Sebring, Daytona, les 1000 km de Nürburgring et surtout les 24 heures du Mans. Donc cette voiture aura quasiment tout gagné, à peu près au moins un championnat lors de toutes les saisons où elle aura été inscrite. Elle a débuté très bien par un podium, je crois, si j'ai pas de mémoire, sa carrière. Et en 82, le championnat, comme on le connaît, groupe 5, pour des raisons de sécurité, etc., la FIA nous a bien sûr réduit un petit peu tout ça, en changeant complètement les règles des groupes A, B, C, et tout ça a changé. Donc en 82, en fait, la Porsche a dû arrêter sa série de succès, tout simplement par changement des réglementations de la part de la FIA. Donc merci la FIA de nous avoir supprimé ces magnifiques voitures. On a connu ça aussi un peu plus tard avec le rallye et l'accident mortel de Henry Toivonen autour de Corse, je pense, en 86. Donc voilà, c'était la belle époque, fin 70, début 80. Donc maintenant, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais vous laisser profiter de ce son. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son de cette voiture. Personnellement, je suis un petit peu déçu. Mais cette configuration du Slovakia Ring en période de crépuscule est vraiment sympathique et les effets de lumière sont vraiment jolis. Donc je vous laisse profiter, montez le son les amis, et c'est parti!
merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne.